Coucou tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de Charmante Campagne où, comme vous le savez déjà, on se rapproche de plus en plus de la fin de ce challenge. Et je peux déjà voir que, malheureusement, il y a du caca chez les bestioles. Va falloir nettoyer tout ça. Tabarnak. Bon, ça commence, on a Angel qui va se laver et on a un coq blanc qui se fait vieux. Il va falloir s'en débarrasser tout doucement, hein, l'envoyer dans une autre ferme, une ferme qui s'occupera de lui particulièrement, oui, hein, on comprend. Hein. J'ai également sorti de l'inventaire du foyer tout ça, qui était encore de côté, qui était juste, voilà, donc je vais le mettre chez Diane, comme ça elle pourra aussi, les vendre, les manger, tout ça, hein. Apparemment ça vient de Lucie Trouille, parce que Lucie Trouille, quand elle s'occupe du jardin, elle récolte des trucs et ça va dans l'inventaire de la famille. Donc merci beaucoup à la personne qui me l'a dit dans les commentaires. J'ai un petit peu de retard à l'heure actuelle dans les commentaires, mais je les lis tous, hein. Donc ne vous inquiétez pas. Et en tout cas merci. Je vais mettre d'ailleurs quelques petites choses également dans le frigo. Ça fera pas de mal, j'ai envie de dire, pour faire à manger. Des petits poireaux, des petites pommes de terre, hein. On est à la campagne, on est les pareils. Va falloir un peu ton petit fion, mon petit Cécile. Bon, pipi et manger. Ouais, justement, ta femme est en train de faire à manger des brownies de top qualité. Oui, en plus, c'est vrai, ils sont très très bien. Donc tu pourras manger et après, vous allez bosser. Parce qu'il va falloir qu'on fasse du stock pour se faire du pognon de ouf à la ferme. Enfin, à la foire, je veux dire plutôt. Ah tiens, il y a Raoul qui nous... Ah tiens, il y a Raoul qui vient nous rendre visite. Peut-être qu'il a un petit cadeau à nous faire. Oh, toi aussi t'as un petit cadeau à nous faire, mon petit chaton. Enfin, mon petit lapin. Voilà. Oh, Angel a travaillé dur et a un B. Et Eden aussi. Ah mais c'est cool. Pendant que maman chante pour les oiseaux. Oui, en plus on a un cadeau. Donc c'est très très cool ça. Ça va nous faire avancer dans notre petite aspiration. Parce qu'on doit recevoir 3 cadeaux. On a 1 sur 3. Ça nous fera 2 sur 3, hein. Et il suffira de choper un cadeau d'un lapin si on est pote avec. J'avoue que je crois que j'ai... Celui qui nous en offrait est décédé, donc c'est un peu dommage. Ah, et l'animal poule blanc, je veux partir. Et cadeau, une friandise épicée. Mais merci, merci beaucoup. Et donc, il va falloir qu'on se débarrasse d'un de nos coqs. Ah, c'est celui-là. Bon, alors, action. Échanger contre Simflou 75. Elle va être triste. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Et on a une poule blanche qui est tristesse. Alors, c'est celle-là. C'est toujours des poules qui sont bizarrement dans les coins comme ça, là, qui... J'ai l'impression qu'elles s'empêtrent dans la végétation et ne savent pas sortir. Mais ce soir, c'est que ça. Pourquoi j'ai... Gré pique les œufs. Bah, c'est quoi ce nom encore à la mort-moelle, hein? Gré pique les œufs. S'introduit chez moi tranquille. Ouais, qu'il trend le gars. Il est chez lui, quoi. Pépouze. Voilà, un petit câlin à Madame la Poule qui se sentait pas bien et ça devrait aller mieux. Bon. Elle est toujours pas très contente. Bon, je sais pas, moi. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu te laves. Tu peux aller voir la poule aussi, dire cocorico. Donner une friandise, t'en as pas. Interaction sociale, tu vas la caresser. Tu vas ramasser... On n'a même pas ramassé les œufs encore, les enfants. Bah, vas-y, Eden, petite fermière en devenir, elle va s'en occuper. Et 6 œufs, dont un œuf pouvant éclore. Et donc, on va le mettre tout de suite chez les poupoules. Ah oui, ça couve, hein, ça couve dans la maison. Hein. On va en mettre un deuxième là, alors. Attendez. Quoi? On en a 5 qui peuvent éclore. Mais on va pas avoir assez de place. 5 sur... Ah ouais! Ah ouais! Mais genre... on va avoir besoin d'un nouveau poulailler, quoi. Vraiment sous peu, là. Ça devient... On a un cadeau par ce petit lapin. Ça fait qu'on va avancer. Une confiture de pommes. Merci, c'est gentil. Oh, on va te faire un gros câlin. On va te montrer un mouvement de danse, même. Vachement sympa. Tu vas voir. Et il nous manque de gagner un concours à la foire de Finch Week. Qu'est-ce qui se passe? Ah, l'animal poule noire. Ok, très bien, on va s'en occuper. Est-ce que c'est laquelle? Ça doit être celle-ci? Non? Bah écoutez, je ne sais pas. Ah oui, non, on en a un peu partout, hein, des poules. Ça se balade ici, hein. C'est la basse-cour de qualité. Hein. Hein, ça, pour se balader. Par contre, j'ai pas accès à la poule. Donc, c'est sympa. Oula! Mais oui, qu'est-ce qu'elle a, cette pauvre poule?
Mais elle est dégueulasse! Mais comment on fait pour la nettoyer, cette pauvre poulette? Mais non, mais c'est pas possible, elle a la gale, hein, un truc comme ça, hein. Tu vas la nourrir? Parce que bon, elle a faim en plus, elle est sale, elle est malheureuse, bon bref. Tout un merdier, quoi. Mais je comprends pas pourquoi elle pue. Faut qu'on nettoie le truc? Je sais pas trop. Bon, on verra. Oh, mais oui! C'est vrai que j'ai des friandises. Regardez, la friandise épicée, si je donne à la poule, elle aura un œuf noir obsidienne. Et un œuf orange. Bah, écoutez, je vais m'éclater avec ça, quoi. Parce que... Fauf chocolat... Amélioration besoin de social de l'animal... Oh, on va s'amuser, on va faire des petits cadeaux et des petits œufs sympathiques. Parce que là, on a masse œufs à couver, on en a 5. Et on a encore 2 en réserve. C'est incroyable. Allez, elle le mange. C'est bon ça. Elle mange ses petites graines rouges, épicées. Bon, elle a été nettoyée un peu le poulailler, mais c'est pris un coup de bec. Ok, bah ma pauvre. Ah, puis alors t'as faim? T'es en sale état, Diane. Mais... Alors, Cécile, je t'avais demandé de passer l'aspi. Et les gamins sont déjà couchés. Ah oui, en même temps, il est minuit et demi. J'avais pas vu l'heure, moi, dit. Oh, puis alors, ce bug de la baignoire. Oui, t'as le bug de la baignoire et t'as le bug de la poubelle aussi, qui est pas terrible. Voilà, on a un autre animal, un autre coq qui se fait vieux, qu'il va falloir qu'on s'en débarrasse. J'ai l'impression qu'on avait renouvelé il y a pas longtemps. C'est un petit peu triste. Mais pourquoi vous êtes trop debout, en fait? Qu'est-ce que tu vas faire, toi? A peur du monstre? Ah non, non, non! Eh non, mais le monstre sous le lit, j'ai acheté une machin exprès, là! C'est une blague ou quoi? Ah mais non, mais... Oh, ça va. Tu vas aller faire une sieste. Et puis toi aussi. Et puis comme ça, vous m'embêtez plus. Ça va déjà être l'heure des cours pour les enfants, on est vendredi, hein, donc ça veut dire que ce soir, c'est le week-end! Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire aussi que demain, samedi, ce sera la foire de Finch Week. D'ailleurs, je sais plus, j'avais regardé c'était quoi comme concours, parce qu'il va falloir qu'on le gagne. Concours de plantes de tarte. D'accord. De plantes et de tarte. Plus c'est rare, mieux c'est. Ah, il faudra que j'en garde. Il faudra que j'en garde et que j'aille faire ma propale avant de vendre à Madame le Chien. Oui, mais ça s'appelle comme ça, j'y peux rien. Les animaux sont sortis. Eh bien... Cécile qui est rarement opérationnelle, hein, il va quand même s'en occuper. Tu vas nettoyer. Voilà, tu vas nettoyer en premier lieu, je pense que c'est bien. Tu vas nourrir aussi les animaux. Là, le lama est dégueulasse, donc tu vas le laver. Tu vas nettoyer les abris. Évidemment, bon, ça va te faire du taf. Moi, tu seras occupée, hein, au lieu de glander devant la télé. Ouais. Oh, la bonne nouvelle, nos chocobés peuvent évoluer. Ça veut dire des chocobés encore meilleurs. Voilà, de qualité excellente pour faire de l'excellente crème au chocolat. Mmh. Et une tarte au chocolat. Ah oui, une tarte au chocolat surtout. Voilà, notre petit lama est devenu roux. Roux rouge, oui, roux rouge. Tu vas le caresser avec enthousiasme, tu vas le nourrir et tu vas le tondre. Parce que ben... Cécile a envie de faire la cuisine. Parce qu'il va y arriver, on sait pas trop. Non, même pas. Ce gogol, bah vas-y, hein, tu reprends ta cuisine, je sais pas, c'est pas complexe, non? Ah, j'ai trouvé un coq noir! Eh ben écoutez, on va s'en séparer également, on va l'admirer. Oui, on va accepter les copains des enfants, on va l'admirer et puis on va surtout lui dire adieu, hein, et échanger contre 75 simflouzes. Bah écoutez, on a 256, donc c'est quand même pas mal de renflouer les caisses comme ça. Oh, j'ai récupéré un lait de feu de notre vache. Parce que j'avais donné des trucs épicés, donc c'est cool. Je vais mettre ça au frigo, hein, avant que ça se gâte et tout. Oh non, la baignoire. Mais on n'a pas d'argent. On peut même pas réparer. Ça va fuir comme ça pendant des heures, hein, moi je vous le dis. Hein. Ça va être cool. Je vais demander à notre chère Cécile, mais il pourra pas. Et puis ben, on peut même pas la replacer. Youpi. Oh, mais Cécile va devenir vieux. C'est pour ça qu'il se laisse aller. Oh quoi? Je suis choquée. Je suis Keiko. Mais toi aussi tu vas devenir vieille. Ah,
dans 5 jours. Mais déjà? Plus rien ne va. Eh ben, 5 œufs, dont un qui peut éclore encore, et 6 œufs, et 2 œufs spéciaux ramassés, mais c'est magnifique. C'est dommage. Oh là là. Un œuf noir d'obsidienne médiocre. Zut. Et c'est dommage qu'on n'ait pas le concours des œufs, parce que j'aurais balancé l'œuf médiéval, n'importe quoi. L'œuf d'obsidienne. Ça aurait été bien. Un œuf orange également, et un œuf qui peut éclore. Commence à avoir pas mal de trucs dans le frigo, moi je vous le dis. Ah, ça c'est cool! Parce que j'ai envoyé Cécile à la pêche, comme un bon vieux papy, qui va bientôt être. Et il nous a ramené un poiscaille, une bonne truitasse. Ça veut dire aussi que, vu que je suis en vie simple, on pourra enfin faire autre chose que des œufs au bacon. Et parce que là, on n'a pas beaucoup de sous, donc faire des courses, bof. Mais là, on pourra faire du poisson. Diane, tu vas pouvoir faire du poisson. Allez, viens cuisiner. Ça va te faire du bien. Alors là, j'ai mis pause au bon moment. Regardez-moi ce truc gigantesque qu'il est en train d'attraper. Oh, OMG, quoi. Alors là, c'est The Poisson in the Sky, quoi, with diamonds. Et c'est en plus un gros thon de 14 kilos. Pshhh. Voilà, il a compris qu'il fallait qu'on ait à bouffer. Parce que même avec la truite, en fait, je peux pas faire grand-chose. Donc c'est un peu tristesse. Mais c'est pas grave. Diane, mais bouge ton cul! Je lui ai demandé de faire à bouffer, elle y va pas, cette greluche là! T'as un problème? Allez, Cécile, pêche-nous un dernier poiscaille et tu peux rentrer à la maison, fête ton anniversaire et tu deviens un vieux! Non, ça c'est pas un poisson! C'est un vieux tronc d'arbre dégueulasse! Allez, nouvel essai! Ça mord! Ça mord! Ah! Non, c'est un coffre. Une amélioration en pièce commune! Waouh! Oh, on a trouvé un jouet, c'est bien. Je vais le donner à Angel. Angel qui est déjà parti se coucher. Diane également. Enfin, c'est. Tout va bien, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Couvrir d'amour poule noire. Donc, tu te relèves exprès pour aller voir la poule. Ouais! Ok. T'as fait à manger au moins. Le gâteau est là, il a bouffé là. Bon, ils vont pas mourir de faim. Le fish and chips qui va bien, ça y est, on peut quand même cuisiner le poiscaille. Bon, après, mon petit, tu vas venir. Ouais, allez, t'as bien travaillé. Et les enfants, vous pouvez venir manger. Et puis, on fera un petit repas, un gâteau d'anniversaire en petit communé, en famille. Parce que là, pas le temps. Et puis, il est tard pour inviter des gens, puisqu'il y a déjà 1h du mat'. Allez, Cécile, c'est ton anniversaire. Tu vas venir souffler les boujax. Happy birthday, Cécile. Happy birthday. Oh, bah, il a disparu. Bon, bah voilà, il est mort avant l'âge. Mais non, je plaisante évidemment. Il a dû se vieillir. Oh, oh non. Le vieux machin. Oh, toi, s'il te plaît, tu peux aller jeter ça. Oh là là, le vieux. Bah alors là, c'est encore plus l'excuse pour plus rien foutre au niveau de la ferme. Ça a dit de tout faire. Mais surtout, ben, les enfants... Ouais, ouais, il va falloir qu'ils grandissent, quoi. Mais ils grandissent bientôt, je crois. Donc c'est cool, parce que je pense qu'on aura... Comme on aura bientôt fini, quand même, ce challenge, les enfants grandissent en 3 jours, ils deviendront adolescents, les parents seront vieux, et ils reprendront la petite ferme. C'est pas mal non plus. Comme ça, ça fait une jolie fin et une suite. C'est cool. Ils sont beaux, les petits oiseaux, ma petite Eden. Tu vas discuter de chat, tu vas... demander si les oiseaux existent vraiment. Et en cadeau, tu peux offrir un cadeau, t'as pas beaucoup, hein, t'as pas tes devoirs, voilà. Allez, mon petit Angel, tu sais ce que tu vas faire pendant que tes parents se reposent? Tu vas déjà aller aux toilettes et après tu vas nettoyer les abris des animaux parce qu'ils sont dégueulasses. Voilà, alors que ta sœur, elle va les laver directement les animaux, ouais. Oula, oui, Gaston, ta litière est cra-cra. Bah écoute, c'est Angel qui va les nettoyer. Ah non, ils peuvent pas? Si, c'est bon. Ah, ce garçon, il va être plein d'entrain ce matin. On va le forcer à faire le ménage. C'est pas plus mal. Mais pourquoi j'ai encore un loup, là? Enfin, renard chez moi, cannelle. Non, mais c'est quoi ce délire, là? C'est quoi c'est... Et puis le chat, il bronche pas. Non, il a peur des lapins. Alors, vous voyez, un renard, c'est quand même un peu plus méchant, quoi. Oh là là, encore des œufs qui peuvent éclore pour Eden. Magnifique, ma petite mademoiselle. On va tellement avoir... Mais en fait, on va être fou, là. On a 7 sur 8 et 5 sur 8. Sauf que ici, ça couve. Ouais, ça couve. On en a qu'un. On va en mettre un là. Et on a ramassé 3 œufs. Bon. Et on a encore un poussin qui vient d'arriver. D'éclore. Voilà, je vous dis, on est à 7 sur 8 et 6 sur 8. Voilà.
bientôt troisième poulailler, hein, moi je vous le dis. Bizarre quand même. Il est tout vieux, tout pas beau. Et elle pue. Quel beau couple. Oh, notre petite sœur Suzy, elle a trouvé un amoureux. Et puis, bon, en tout cas, si c'est pas son amoureux, bah, en tout cas, elle va être maman. Hein. Salut, bah, viens, Raoul, aucun problème, passe à la maison. C'est cool. Ah, oh, il était temps, parce que bon, pareil, elle commence à se faire un... T'es pas vieille, la cocotte. Ah, tu es magnifique, ma sœur, avec ce bidon tout rond. Tu es superbe. Oh, par contre, ouais, il y a le jardin à faire. Non, mais il y a trop de trucs, en fait, à chaque fois, c'est un truc de fou. Il y a des trucs à évoluer, et tout, et tout, et tout. Faire évoluer ça aussi. Allez, nous, on fait tout évoluer. Il y a... Lui, il s'occupe... tu vas tout récolter, en fait. Tu vas tout récolter, Diane. Et puis... tu vas tout arroser également. Voilà, on va... Faut qu'on travaille. Faut qu'elle fasse sa tarte. Une ou deux tartes. Regardez-moi cette myriade de poussins. Il y a 5 poussins. L'animal poule blanche envisage de partir. Bah oui, mais... T'es où la poule blanche? Parce que là, je te trouve... Ah, c'est celle-ci. On l'a trouvée. Bon, ma petite, est-ce que tu peux donner à poule blanche? Nourrir poule blanche. Ouais, est-ce que là, elle fusionne avec quelqu'un d'autre? Et puis, jouer avec poule blanche. Peut-être que ça ira mieux après. Voilà, une petite tarte au chocolat pour le concours de la foire de Finch Week. C'est parti, Diane. Je t'invite à aller la faire. Réussis là. Stop. Oh, elle est belle, cette belle tarte. Elle est belle, cette tarte. Mais j'ai pas eu de... Attendez, on est bien... C'est bien la foire, là. On est d'accord. On a fait tout ce qu'il fallait. Attendez, plantes, trucs mûches. Je récupère les œufs et la farine parce que là, il est 17h35. J'ai encore une heure et demie pour vendre, mais tout va bien parce que là, ça commence à faire un peu petit budget. Je viens de tilter, mais on n'a pas eu l'annonce et tout, mais bon. Non, ça, je laisse. On va prendre les œufs pour éclore. Non, les bouteilles de lait, oui. Les 38 œufs, oui. L'œuf d'obsidienne, 75 œufs également. L'œuf bleu, l'œuf orange... Et puis, on a les puissants aux plantes. On va prendre aussi. Il n'y a pas de raison. Et je crois qu'on est plutôt bien. Je crois qu'on est un peu fou. Elle a masse de trucs à vendre. J'espère juste que ça va nous rapporter un bon tisson. Et on y va tous ensemble en famille. Nous voilà au bar. On a ramené Suzy et Raoul parce qu'on ne va pas les laisser tout seuls à la maison. V'là ma meilleure amie, hein, vous commencez à la connaître, on va discuter des changements dans le quartier, puis on va marchander direct, parce qu'à un moment donné, pour pas déconner, parce qu'en fait, on peut pas tout de suite, no, on doit mettre notre tartouze, et puis on va mettre une plante. Je verrai bien ce qu'ils vont nous proposer à mettre, et puis on va voir, hein, on va espérer gagner, hein. Je croise les doigts. La tarte au chocolat, c'est y part. Et voilà, on a mis notre fruit bourgeon du bonsaï à 66 simflouz de qualité excellente. Les jeux sont faits et on va voir notre meilleure amie, donc 18h08. Demander à toucher le bébé. Ah bah oui. Ah bah madame est aussi en train de... Voilà. Eh bien écoutez, c'est une bonne nouvelle pour elle. On va s'enthousiasmer à propos du jardinage et puis marchander, évidemment. Je compte sur toi, Diane, parce que ce serait cool. Quelqu'un a pris des ingrédients parfaitement bons et les a placés dans ce tas de pâtes que je refuse de définir comme une tarte. Oh, c'est pas cool, ça. Heureusement, c'est pas la nôtre. Oui, elle a accepté de marchander. On va pouvoir vendre nos produits avec 25% de bénéfices. On est actuellement à 280 en simflouz. Et bien écoutez, c'est parti. Je vais tout vendre l'inventaire. Est-ce que Cécile en a dans son calcif? Non, il n'y a rien. Les enfants, je sais qu'ils ont récolté des trucs. Non, il n'y a rien, c'est bon. On est y part. Bon, les enfants, on a déjà atteint les 10 000 simflouz de revente de nos produits. Et j'ai pas fini les super fruits. Et je n'ai même pas inclus nos légumes géants. C'est un truc de malade. Sans vouloir tricher. Regardez, on a 75 tomates. On a 38 œufs. On a encore énormément de choses à vendre. On est à 15 000 de gains. Sans avoir vendu donc les légumes géants. L'aubergine, 400. La citrouille, 644. Et...
je sais plus, enfin bref, la laitue à 786 et la pastèque à 803. 15 000 boules. Incroyable. Allons voir un peu nos concurrents. Qu'est-ce que c'est que ça? Une orchidée. Ah non, oui, mais c'est chiant ça. Bon, elle est normale, hein, mais elle vaut beaucoup plus cher. Je suis un peu tristesse. Parce que ben c'est quand même vachement plus rare. Et au niveau de la tarte, donc on a la nôtre qui est excellente. Nous avons une tarte au citron meringue normale. Et nous avons une tarte au miti normale. Bon. Voilà. On va espérer qu'on gagne quand même un petit peu. Hein. Cette pente a l'air délicieuse. Je crois qu'elle pourrait gagner. Oui, mais non, ça va. Eh, c'est Jules. Bah salut Jules. Il a pris un sacré coup de vieux aussi, lui. Hein. Ah ouais. Ah ouais, bah écoutez, le challenge a bien avancé quand même, hein. On dirait pas, enfin sauf quand ils deviennent vus, quoi. Là, on réalise. Oula, un autre concurrent avec des bananes plantains normales. Bon, je me fais un peu moins de billes, mais ce truc-là, ça m'emmerde un petit peu. C'est tricher de faire à manger dans le bar, quand ça vous coûte de l'argent, mais que vous pouvez faire tous les plats que vous voulez sans les ingrédients. Chut, vous avez rien vu. Le festival est parti. Attention, 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 jouet disparu. Ne commence pas. On va, je continue à chercher. Ok. Ah, attendez. Une friandise aux protéines de poisson. Un ruban de participation. Concours de tarte. Seriously? Mais elle était géniale, ma tarte. Résultat de montant. Ce concours n'a pas été de la tarte. Votre tarte n'a pas gagné cette fois-ci. Vu accepter ce prix de participation, vous trouvez votre tarte dans l'inventaire de votre Sims et de votre foyer. Pensez à vous préparer pour la foire aux vaches de Finch Week la semaine prochaine. Et troisième place au concours de plantes, c'est une blague. C'est d'arnaque. Moi, je boycotte. Putain, mais on a gagné que deux. Je devrais avoir validé déjà ça. C'est trop nul, c'est pas rétroactif. C'est trop nul. Bon, bah moi je rentre. Oh, bah oui d'ailleurs, on va pouvoir réparer notre... Oh, la baignoire est enfin... Ne fuis plus, mais quel bonheur. Et regardez ce joli portrait de famille. Ils regardent tous le même film. Bon, il est un peu minuit 23, mais chut, ça va, c'est week-end, ils ont trois les enfants. En tout cas, ils se remettent tous un petit film ensemble et je voulais venir là-dessus, voilà, c'est très mignon. Oh, le retour du chien perdu, vous inquiétez pas, hein. C'est dit dans le titre, hein. Il a été perdu, mais il a été retrouvé. C'est ça aussi. Allez, c'est sur ce joli portrait de famille que moi, je vais vous quitter. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de Chemin de Campagne. On va faire vieillir les enfants. On va bien voir à quoi il ressemble l'adolescent quand même. Allez, je vous fais des très gros bisous. Et à très bientôt. Ciao, ciao.